Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane et on se retrouve pour un très court tuto sur OneShift cette fois-ci, mais qu'on peut louper la preuve. Je pense que j'ai loupé la première semaine cette information. J'en suis rendu compte hier en parcourant la boutique, du coup bah, je vous la partage au cas où, vu que les interfaces au lancement sur OneShift ne sont pas les plus accessibles qui soient. Donc lorsque vous faites échappe ou lorsque vous faites F2, vous voyez ici le raccourci qui est indiqué, vous arrivez sur la boutique. Si vous allez dans Autre, juste ici, vous avez en fait une récompense hebdo, une cache donc que vous allez pouvoir ouvrir qui coûte seulement 1 d'énergie. Donc toutes les semaines, vous allez pouvoir acheter une cache qui coûte que 1 d'énergie. Et qu'on va pouvoir ensuite aller ouvrir dans notre inventaire. Hop, donc je vais essayer de la retrouver rapidement. Je pense qu'elle est... Quelle est? Par ici, juste ici. À ouvrir pour récupérer au moins 20 vignettes colorées qui servent à dévoiler des apparences... teinte dans le placard. Donc si je l'ouvre, hop, j'ai obtenu 50 insignes de Mitsuko. Donc les mêmes insignes qu'on obtient lorsque on va du coup dans la saison, objectif saisonnier. Et ce sont les insignes qu'on obtient ici. Vous voyez ici 690 pour la première semaine. Là j'en suis à 420. Insignes qui se retrouvent donc ici en haut à droite, 1260. Et la boutique de saison qui est juste ici. Et par exemple, à 1260, je pourrais prendre le thème pour ma carte. Je pourrais prendre une cache à 55. Du coup, vous voyez, c'est presque le prix d'une cache. Mon perso a grossi, c'est terrible. Pour essayer d'avoir des cosmétiques donc, de saison. Vous voyez ici, hop. Pas mal celle-ci. Les caisses de protochrome, c'est que à la phase 6 de saison. Et juste ici, c'est du Star Chrome qui est utilisé hein, pour celui-ci. Mais en tout cas, pour la caisse de butin, vous allez pouvoir en ouvrir. Et du coup, ça fait quasiment le prix d'une caisse de butin. Donc, ça vaut le coup. Voilà, du coup, bah, pour cette petite explication de cash hebdo que vous allez pouvoir acheter, comme je vous disais, pour 1 d'énergie qui est ici. Hein, énergie qui s'acquiert tout simplement en ouvrant des coffres, en faisant des missions. Tout simplement, voilà. Et vous pouvez aussi revendre des choses pour obtenir de l'énergie. Je vous laisse, je vous dis à très vite et je vous souhaite un bon jeu.